Ce mardi 19 juillet, il s'agissait avec Patrick d'aller faire un prélèvement des eaux, des eaux du port qui se trouvent au début de la Pendée, au droit du bâtiment qui sert de collecte pour les eaux usées de la ville de Bandol et qui sont transférées, qui sont envoyées à la Cride par des tuyaux sous-marins, souterrains et sous-marins. Donc là, nous, on voit Patrick qui va récupérer de l'eau de façon à la mettre dans un bidon que l'on enverra à un service officiel d'analyse des eaux, de façon à savoir quelle est la qualité de cette eau du port, que l'on dit port de plaisance et qui a reçu le pavillon bleu pour la 14e année consécutive. Tout simplement pour savoir quelle est la qualité de cette eau. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Vous aurez les résultats, je pense, en début de semaine, de la semaine 30, c'est-à-dire le 25 juillet. J'espère que nous aurons les résultats avant le 28. Date à laquelle se dérouleront les joutes le 28, des joutes qui sont organisées par les pointus de Bandol, et savoir si les gens qui tombent à l'eau ne risquent pas quand même un petit peu leur santé, s'ils avalent de cette eau qui, on le voit, n'est pas très ragoûtante, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, à bientôt.